it's the Creed. E. F. Altius Book. Shadow Prism Beats. Bonjour tout le monde, cette vidéo là, elle est spécialement dédiée à DJ Rafat. Même bien qu'on parlera d'un autre artiste, parce que c'est grâce à cet artiste là qu'on va parler de DJ Rafat. Enfin, un featuring avec DJ Rafat, on va dire à titre posthume. Et bizarrement, ça vient pas de la part d'un artiste coupé décalé. Bizarrement, ça vient pas de la part d'un artiste coupé décalé. C'est l'affaire de Didi B du groupe de rap Les Kiff No Beat. Franchement, veuillez regarder intégralement cette vidéo là, parce que juste après le petit bout de ce prochain featuring qui arrive très très lourd, qui va essayer de donner un peu du tonus et à la fois au rap ivoire et à la fois au coupé décalé, je vais réagir sur ce petit bout de morceau là et rendre un bel hommage à DJ Rafat. On se prend juste après le générique. Chers abonnés, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers abonnés. Vous avez écouté ce petit bout de son qui arrive très lourd avec l'artiste Didi B du groupe rappeur Kiff No Beat. Franchement, quand je suis tombé sur cette vidéo là, j'ai eu chaud au cœur. J'étais tellement content, tellement heureux. J'ai dit enfin, il y a un artiste qui a entendu nos pleurs, qui a entendu la voix d'Héritor et qui a envie de faire revivre encore notre DJ Rafat au travers de ce featuring là. Franchement, j'ai pas les mots. Parce que quand vous écoutez le refrain, la partie de DJ Rafat, vous voyez combien de fois cet artiste-là, il était dangereux, il était hyper, hyper talentueux. Ah, DJ Rafat, jusque-là, nous ne digérons toujours pas ta disparition. Nous ne digérons pas ton absence dans ce coupé décalé-là, dans ce showbiz ivoirien-là, parce que franchement, tu t'es un poids. On parle de 50% du coupé décalé, mais moi, je pense bien que c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça, parce que DJ Rafat, c'était un génie, c'était quelqu'un de spécial, c'était un être à part. En plus de ton talent, il avait une influence qui ne dit vraiment, vraiment pas son nom. Il était unique en son genre. Et franchement, bien avant que je poursuive sur DJ Rafat, je tenais vraiment à dire merci à Didi B de nous avoir fait écouter un petit bout de son de leur featuring. Et je pense que ça promet. Franchement, ça promet, parce que vous savez que Didi B, c'est un rappeur ivoirien vraiment très très talentueux, très fort. Vous imaginez ce cocktail là, DJ Rafat featuring Didi B, ça sera forcément du balèze. Parce que le truc, c'est quoi, ça fait un bon bout de temps que nous entendons plus DJ Rafat sur une nouvelle chanson. Bien vrai que cette chanson là a été enregistrée du vivant de DJ Rafat. Ce projet là était en vue avec DJ Rafat. Je pense bien que il n'est pas vite sorti, parce que Didi B aussi était sous le choc. Et puis il se disait que ce serait trop opportun de sa part de sortir ce featuring là, comme s'il voulait faire de la récupération ou bien chercher du buzz sur le nom Didi Rafat. Bien au contraire, il nous a sorti deux, plus que deux, je dirais trois hits à titre personnel. Puissance, voilà, c'est-à-dire Puissant avec Afrobeat, Assini, qui il a sorti, qui a cartonné. Et maintenant, il n'y a pas l'un des dents qui est en train de faire mouche, mouche, mouche de grave. Franchement, merci à Didi B. Merci de nous faire entendre encore la voix de Didi Rafat sur un nouveau morceau. Voilà, venons-en maintenant à Didi Rafat. Vous voyez, ça fait plus d'un an qu'après quand nous n'avons plus entendu Didi Rafat quelque part. Et il y a Didi B comme ça dans une petite vidéo, nous balance un petit bout de leur collaboration. Moi, je peux vous dire que ça, ce sera un hit. Parce que
Au-delà des Chinois, c'est tous les Ivoiriens qui vont se presser d'aller voir ce morceau-là. Voilà. Je vous demande encore d'aller écouter encore, ce petit bit de morceau-là, d'écouter un peu la pose de voix de DJ Rafat pour comprendre combien de fois le gars, il était extraordinaire, il était hyperbement fort. Franchement, je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que dans pas longtemps, quand, je dirais, le morceau, il n'y a pas l'un des dents de Didi B, va finir de cartonner de ouf. Didi B va nous balancer ce son-là, comme la série sur le gâteau, pour vraiment nous faire oublier un peu cette disparition-là. Parce que la voix de DJ Rafat sur le nouveau morceau, je pense que ça peut donner du tonus et au coupé décalé et au rap Ivoire. Bien que le rap Ivoire se comporte très 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 bien actuellement, mais je suis très heureux. Je suis vraiment vraiment très heureux. Et moi, j'envoie un message comme ça à Didi B pour lui dire franchement, faut pas nous faire languir longtemps. Voilà, faut pas nous faire languir longtemps. C'est vrai que ton dernier titre, il y a pas dans des dents, cartonne actuellement. Il se comporte très bien. Déjà plus de 1,4 million en moins d'un mois. C'est du jamais vu dans le rap Ivoire. Et c'est à féliciter avec ce titre-là. Mais on veut vraiment que tu nous fasses plaisir. Voilà, le petit bout que tu nous as passé là nous a déjà fait chaud au cœur. Mais on veut vraiment que tu nous fasses plaisir en ne tardant pas sur la sortie de ce hit-là. Parce que les Ivoiriens attendent d'entendre encore DJ Rafat. Bien qu'il soit mort, bien qu'il ne soit plus parmi nous les vivants. Mais je pense qu'il est encore là. Je pense qu'il peine de voir son coupé décalé en si mauvaise posture, en perte de vitesse. Franchement, je sais qu'il n'est pas content de là où il est. Et la meilleure des manières pour lui rendre hommage, la meilleure des manières pour qu'il soit, je dirais, en paix avec lui-même, pour qu'il soit, très heureux de là où il est, je pense que c'est en nous battant pour son coupé décalé qu'il a mis à un niveau qui fait qu'aujourd'hui, on dit que le coupé décalé ne va pas bien. Parce que s'il n'avait pas amené ce coupé décalé à son niveau où lui, il le voulait avant qu'il ne meure, je pense pas qu'on serait en train d'agacer aussi cet appel du coupé décalé en lui disant de bosser, de travailler. Parce que, je le dis, et c'est avec vraiment beaucoup de modestie, c'est plus que le coupé décalé, l'impact de DJ Rafat, c'est plus que le coupé décalé. C'est vrai qu'actuellement, le rap Ivoire se comporte très bien. C'est vrai qu'actuellement, le Zouglou se comporte bien. C'est vrai aussi que le coupé décalé va mal. Mais la présence de DJ Rafat dans le showbiz ivoirien donnait un boom, donnait de la force, donnait du tonus, donnait de la visibilité à tous ces gens musicaux-là. Parce que c'était cet artiste-là qui avait envie de faire des featuring avec tous les gens musicaux. Il a fait un featuring même avec la Kifnobit, il a fait des featuring avec tout le monde, avec les Nigériens. Franchement, c'était un artiste pluridimensionnel. Didi B, c'est ton attend maintenant, c'est ton régate. Faut nous sortir le morceau là, s'il te plaît. On est impatient d'entendre Didi Rafat. Peut-être que quand ce featuring là sortira, ça va motiver les personnes qui ont ces œuvres à nous les sortir petit à petit. Merci encore et puis merci de partager la vidéo. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Bientôt, vous aurez un morceau de Didi Rafat en featuring avec Didi B.